à l'aide. Moi, ouais, c'est pas un... Ouais, c'est un peu un liche de merde qu'elle m'a donné. On aurait pu faire mieux là, franchement. Painful. Ok, du coup, c'est un Rumble Mid. Ok. Botlane il joue assez agressif, on va peut-être passer là-bas. Ça c'est le feu avec Gragas quand t'as ses runes avec 26 d'AP. Genre tu mets le Q spell, tu te mets au milieu, tu mets le E et genre tous les petits se font instant. C'est tellement le meilleur truc au monde en vrai, tu prends 0 dégâts, c'est génial. Aïe, avec Saibot, il est le niveau 3. On va voir du coup s'il va un peu deep. Ah dommage, j'ai pas pris coup de tour. Pas de chance. Il y a sûrement Rek'Sai dans le bush. Ah, voilà. Salut à vous. Ah dommage. Si ce stun passait, il y avait moyen de faire un truc honnêtement. Avec derrière le snare de Jhin. Vas-y gogo. La Jinx est morte là honnêtement. Ok nice, flash pour flash, c'est worth it ça. Bon du coup on équilibre un petit peu au niveau de la pression. Oh putain, il y a déjà le Rumble Bot. Ok. 5 secondes moins E. Allez, bon trap quoi. Ouais, du coup, on va rien pouvoir faire. Ok, Rumble a flash. Du coup, c'est pas dégueu. Ah, faut qu'on pousse ça absolument. La wave est trop mal mise. Non, c'était en train de push lentement contre notre botlane. C'était terrible. Oh fuck, on a même pas push assez, on a pas pu push assez vite quoi, terrible. Hop, on va lui donner le golem. Pour pas qu'il soit non plus au fond. Ok, nice. Putain, terrible quoi. Genre on a même pas pu. Putain, League of Legends, c'est facile quand même. Hey Ninja Banane, merci à toi bro pour ton resub. 2 mois d'abonnement consécutif. Merci à toi mate. Ok, on va back. Rommel a pas de flash, mais Cassadin il consomme pas mal de mana sur sa lane, du coup j'hésite un peu à vouloir le gank. Ok, du coup ouais, évidemment Rek'Sai il a vu que j'ai passé beaucoup de temps bot, donc forcément il a pris mes loups, sûrement mon gromp aussi. Alors, on va juste voilà, check visuellement, histoire d'être sûr d'avoir l'info. Aïe. Ce n'est point agréable. Ah
Il y a sûrement Rek'Sai dans leur dos là, je pense que... Hop, voilà, ça c'était obvious. Ouais, malheureusement, on fait chier parce qu'on l'avait vu venir le... On l'avait vu venir le Rek'Sai, mais... Moi, je pouvais pas aller bot, dans le sens où Rumble me bloquait le chemin. Donc, on va faire genre, on a tous back. Oh, salut à toi Rek'Sai. Que du coup casse à back, du coup on va faire les loups et on va tranquillement lui donner le bleu. Voilà, maintenant qu'il a back, on ping le bleu. Le temps qu'on le fasse avec les loups, etc. Il sera là à temps. Ok, apparemment il en veut pas. Tant mieux, hein, je dis pas non. Ok, on est niveau 6. Qui veut que j'aille une gank? Pas une mauvaise idée. On sait pas où va Rek'Sai. Mais elle se fait déboîter, Riven. Allez, avance-toi, Vel'Koz. Oh non, il s'avance pas. Yeah, dude, don't move. Tu te fais déboîter en AV1, qu'est-ce que tu me veux, toi? On se met un flame, putain. T'es nul, tu perds ta lane, c'est tout, c'est la vie, accepte. Moi aussi, je feed mes morts avec Ezio, c'est pas grave, j'assume. C'est pas grave d'être mauvais. Tu vas step up dans la game, tu vas one shot tout le monde parce que t'es Riven et tout le monde sera content. Don't worry bro, ça va bien se passer. Non mais en fait je peux même pas commit le move en fait, parce que même si je flash E le Vel'Koz, en vrai genre il met E, Q, W sur la Riven, Riven se fait one shot en fait parce qu'il a pris trop de dégâts avant que j'arrive. Salut à toi, Lulu. Coucou. Donc, ça, c'est la différence entre ce Vel'Koz et cette Riven. Genre, Vel'Koz il joue safe, quelle que soit la situation. Riven, dès qu'elle voit une opportunité sur Vel'Koz, elle le go in et Rek'Sai est gank et il récupère un free kill. Parce que Vel'Koz il contrôle la lane, Riven absolument pas. Je prends jamais le gank. Je joue safe. Là, ça sert à rien. On va les bot. Bot lane c'est beaucoup plus. Tu vois genre les lanes. Enfin les mecs jouent beaucoup plus aggro. Allez, une auto, je tank pour toi. Voilà, nickel. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On rumble décale, du coup on va respecter ça. Ok, go, on peut push, rumble les mines, go go. Ok, nice. Oh bon, on va faire les golems et on va back. Normalement ouais, on a notre unique écho si j'ai pas de conneries. Le
Alors plus vite. Hop, ça c'est nickel. Toujours prendre une pink, red trinket. C'est reparti. Voilà, ce qui est cool, c'est que genre avec Zilean Jhin, en sachant qu'ils sont bien dans la game, ils ont un bon potentiel de catch. Enfin genre en gros, tu vois, s'ils s'avancent un peu trop et que genre la Jinx fait une erreur de positionnement ou quoi, genre ils vont se faire punir instantanément. Là, leur botlane joue assez safe, c'est rien qu'on trop forcé. Bon, on peut peut-être créer un truc en mid lane, c'est pas wardé. Ah, dommage, mec. S'il m'avait fait échec, ça aurait été parfait, tout simplement. Tu vois, le Rommel, même s'il décale beaucoup, il joue assez safe, t'as vu, genre il fait attention par où il passe et tout. Genre là tu vois un typique Rale Rommel qui voulait décaler bot, il serait passé par là et il m'aurait fait check comme ça sans souci. Fais attention à Rumble derrière eux. Ok, une pink ici, salut à toi. Ok, nice, ils ont survécu genre au 5-man bot, ça c'est cool. On a une petite ward à mettre là. Putain de merde, holy shit, ils l'ont défoncé le dragon. Après c'est pas mal. Là, ça nous permet d'avoir la tour mid et la Riven qui souffrait en lane, elle a pu récupérer du farm. C'est pas dégueu. Oh non, pense, voilà, ça c'est dommage. Ulti, ult, ult, ult. Ult, voilà. Nickel. Oui, genre Jhin, Zilean, le potentiel de catch est énorme. On a le Zilean sur la décale. Attention, il y a l'autre. Eh, Kassadin, ça bat les steaks quand même. Ok, on tempo l'ultimate. Holy shit, man, damage. Allez! Mourez! Mourez! Ok, nice. Good job. Parfait. Pour ceux qui disent. Enfin, genre, contre Rumble, il y a certains picks qui sont vraiment archi forts. C'est genre Gragas, c'est genre Syndra. En fait, en gros, tu vois, c'est les personnages qui ont des CC, des stuns, qui vraiment, genre, retournent le perso. Tu vois, genre, le E de Gragas, quand tu E un mec, ça le bump pas seulement, ça retourne aussi le perso. Et pareil pour le stun de Syndra. Pareil avec, genre, l'ultimate de Gragas, bref. En fait, tu vois, genre, c'est là, contre Rumble, c'est archi fort, parce que, en fait, du coup, vu que son personnage se retourne, bah, vous pouvez deny beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, parce que, du coup, son Q-spell touche personne, en fait, parce que, bah, il est pas orienté vers sa cible. Et, genre, ce genre de perso contre Rumble, c'est archi intéressant. Nickel. En plus c'est cool parce qu'on a eu un shutdown du coup sur le Rek'Sai. Sur la Rek'Sai pardon. Du coup on est pas trop mal. Rek'Sai qui était à 3-0, récupère un kill mais derrière on le shutdown. C'est pas désagréable. Aïe 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 aïe. Ok. Oh BG. Il n'y a pas d'ultimate. Il était à ça de s'en sortir quoi. Ouais, Jhin il est archi mort, on peut rien pour lui. Il y a 1000 personnes bot quoi.
Donc on va essayer de carotte le red buff tant qu'on peut encore. C'est dommage, on a un bon lead bot, mais ce catch nous coûte cher. Revenez ici vous deux. On flash le bump. Jinx est morte, on s'occupe de la Rek'Sai. Nickel. Oula, oh non non mon E. Mon E non. Non, le creep qui passe devant moi et qui empêche de E. Fais chier quoi. Oh merde. Hero creep quoi, pitié. Un contrôleur compo, on va clairement faire un Solari. Est-ce que... Ok, dans DFG, il rush clairement pas un Solari, donc c'est à nous de le faire. Genre contrôleur composition, genre avec un double AP, genre c'est... Même triple AP avec la Lulu. Genre c'est... Obligé, genre on est obligé d'avoir un Solaris, si on n'a pas de Solaris c'est la fin du monde. Après le Kassadin, notre Kassadin est à 4-0, ça c'est bien. Parce que genre en fait ils ont le seul hard CC qu'ils ont c'est Lulu. Et genre en gros à partir du moment où Kassadin du coup arrive à jouer autour de la Lulu, il va être trop bien. On a le level 11. Ouais. Est-ce qu'on peut le sauver? Ah non, il est foutu. Ah, c'était Wardella. Après c'est pas grave honnêtement, genre sur ce catch ils vont pas faire grand chose. Genre contre Jhin, Gragas, genre on a pas mal de wave clear. Ils vont juste bon, ils vont récupérer un dragon, ça c'est un peu chiant mais... Honnêtement il y a pire. En plus si on arrive à leur carotte tout ça, bah c'est le fuego. On a fait chier quoi. Faut que Rek'Sai passe à ce moment là quoi. BG. Allez, il demande ici. Nice. Il peut le slow. On pourra pas l'avoir. Ça reste un Vel'Koz. Ça qualité bien cette connerie. Bon c'est pas mal quand même. On a récupéré un catch, on a une tour. C'est propre. Kassadin il continue de mettre de la pression bot. Bon ces games se passent bien. On a récupéré deux tours. Deux tours un kill sur la move. Oups, j'ai oublié de réactiver mon Q moi. Oh nice. Ok. Ouais
Ouais, go prendre le mid, c'est open. Nice. Franchement, la team, team fait beaucoup de catch, beaucoup de moves. C'est cool. La team joue bien. Quand la team joue bien, on est content. Oh. Ok, nice, on a eu le Vel'Koz. Sacré snare de la Jean. Enfin, du Jean, pardon. Ok. Reviens ici, toi. Mange ton CC. On aime bien quand la team joue bien. Oh, on a eu Kassadin. Ok, on va arrêter. Pour prendre, on va arrêter un petit peu la folie. Ok, nice. Nice, nice, nice. On est vraiment, vraiment bien dans la game. En plus, là, on va avoir notre Solari. On va commencer à être très tanky, avoir beaucoup de CDR. C'est cool, c'est cool. La game va que aller en s'améliorant pour nous, normalement. Normalement. Ça reste de la solo queue, hein. C'est... Ça reste imprévisible. On va faire un rendu 1, cette game. Quoique, rendu 1 ou... Je pense à quand même faire un rendu 1 parce que quand même il y a surtout, enfin la Jinx me fait un peu peur, tu vois, je la respecte, mais surtout Rumble et Vel'Koz qui vont être embêtants. On a pas envie de faire non plus un genre un cœur gelé juste pour Jinx. Genre le rendu 1 ça fera le taf. Le slow du rendu 1 en plus sur Vel'Koz ou Rumble ça sera très utile. Donc on va préférer ça à un cœur gelé. C'est quoi le prochain dragon? C'est dragon de feu, nice, putain si on arrive à le récupérer on sera bien. Elle a pas de flash. Ouais, elle est foutue. Elle est foutue. Oh! Nashor les potes. Nashor, Nashor, Nashor. Nice. Nickel. Putain, ma team joue vraiment, vraiment parfaitement les moves. C'est excellent. Genre, ils... Sans que j'ai rien à leur dire, ils suivent mes calls et tout. Ils jouent comme je veux qu'ils jouent. C'est parfait. Oh, mais quel Kassadin, c'est un monstre. Et on farm ça tranquillement et on va back. Juste histoire d'avoir le rendu 1 plus une pink, parfait. Trop bien. Il y a un GA en plus maintenant. Oh, le cauchemar que ça va être pour eux, quoi. En plus le pire c'est que le Kassadin a demandé vraiment zéro ressources, tu vois, genre en gros tout ce qu'il a eu cette game c'était les ressources qu'il a pris sur sa lane. Il m'a laissé tous les bleus, tu vois, genre j'étais en mode vas-y prends les bleus bro et tout et... Qu'est-ce qu'il fait lui? Moi ouais, je pense qu'on avait le kill là-dessus. C'est pas grave. Oh merde les dégâts qu'il met, mais il a que 500 d'AP quoi. Pas que 500 d'AP, c'est beaucoup tu m'iras, mais... Tu vois, genre c'est pas comme s'il avait Rabadon et 1000 d'AP, tu vois. Oh. Pas de chance.
Viens la Jinx. Ah fuck, j'ai pas eu Jinx. Mon frère Rimbal est mort. Ah, prends du 1 sur Vel'Koz. Ok, là-dessus on finit la game normalement. Kassadin dit le monstre. Mec, la Jinx a failli se faire one shot dans sa fontaine quoi. Ok, GG. Plus 20, nice. Petit plus 20.